1987. Dalida, on lui doit beaucoup parce que Dalida, elle a été la première à faire un clip en chanson. Dalida, elle a été la première à chanter en raï, elle a chanté Salma et Salama, on verra tout à l'heure. Dalida va rejoindre maintenant deux autres personnes, et c'est beaucoup d'honneur pour elle, mais elle le mérite. À Paris, il y a trois places qui portent le nom d'une femme. Il y a la place Jeanne d'Arc, il y a la place Sarah Bernard, et depuis ce matin, inaugurée par Jean Tiberi, le maire de Paris, il y a la place Dalida. Et je crois qu'elle le méritait parce que Dalida nous a, nous particulièrement, gens de radio, nous a aidé formidablement pour faire que maintenant, un peu partout, en toute liberté, des dizaines et des dizaines de radios existent en France. Ne serait-ce que pour ça, on dit merci à Dalida. Regardez. J'aime les ritournelles, intellectuelles, paroles, paroles et le disco. Aussi, comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait, et c'est très bien comme ça. J'attendrai en train d'évoquer Dalida l'artiste. On va l'évoquer bien entendu longuement au cours de cette émission, mais c'est terriblement actuel. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alia? C'est vrai que 10 ans après, malheureusement, son départ, c'est vrai que même à présent, on écoute Dalida, et c'est vrai que c'était l'une des premières femmes françaises à chanter et à danser, et donc nous, on est de cette génération, parce qu'on chante et on danse comme elle. Et Claude François aussi, on peut dire que Claude François et Dalida, on peut les chanter 10 ans après. 10 ans après, c'est toujours la même mode, et quand on écoute ça en discothèque, les gens sont toujours aussi fans, et c'est formidable. Ça devient un peu des classiques. Alors moi, je vous propose d'accueillir maintenant un artiste qui a, pour nous, pour vous, arrêté sa tournée un soir pour venir chez nous, par conséquent chez vous. Merci Khaled. Il chante Dalida, Salma ya Salama. Khaled. Courir
Merci. Khaled, qui chantait Salma et Salama. Merci d'avoir quitté la tournée pendant quelques heures. C'est la première fois que tu chantes une chanson de Dalida. Merci en tout cas d'avoir accepté. Bonne fin de tournée. En tournée jusqu'à quand? Jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août. Donc forcément, il viendra chanter chez vous. Dans un instant, à nouveau des rires et des chansons pour les années tubes sur TF1. Dans la compagnie Roger Lauré. C'est bien que tu l'adores, bambino, bambino. Et qu'elle a de jolis yeux, bambino, bambino. Et tu es trop jeune encore, bambino, bambino. Et tu me fais avoir. La 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 la. Bonne nuit, que Dieu te garde. Te souviens-tu des nuits d'Espagne? Et de cette chanson gitane qui nous faisait rêver quand tout le ciel brillait de mille étoiles scintillaient. Ce sera toi qui conduira ce soir chez moi. Car vient la dernière danse pour moi. Arriva, Gigi Lamoroso. Claque la boulette devant nous comme caresse. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Les plus riches
Dalida. On les connaît tous, ces succès. Merci et bravo. Alors, tout à l'heure, en répétant cette émission cet après-midi, les uns et les autres vous disiez, dans son regard, on sentait que ça ne devait pas être rigolo tous les jours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tristesse, et notamment à travers ses chansons d'amour. Il faut dire que ses amours n'ont pas été aussi heureuses qu'elle aurait voulu l'imaginer, puisque trois de ses compagnons ont choisi eux aussi de partir. Mais Dalida, immortelle à travers la musique et la chanson, et à travers ces chansons d'amour que nous regardons et que nous écoutons maintenant. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Le cœur d'amour, l'œil de velours, comme une caresse. Un tchitch. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard. Avec le temps, on aime plus. Merci, Dalida.